chaque fois, on va se retrouver dans cette atmosphère un peu différente parce que on ne vous voit pas. On sait que vous êtes derrière vos écrans. On sait que c'est pas évident du tout de vivre une veillée Ephata à travers les écrans. Parce qu'il n'y a pas la même atmosphère, il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas la même relation. Mais je pense vraiment que Dieu a raison quand il dit de tout mal, il tire un grand bien. Donc il saura tirer un grand bien de cette situation. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer un thème, celui de la miséricorde. Initialement, avant que tout ne soit chamboulé, on avait prévu inviter plein de prêtres. On avait prévu faire un grand moment de silence pour permettre la méditation, pour faire remonter en nous tout ce qu'on veut présenter au Seigneur. Et ensuite, aller se rapprocher vers ces prêtres pour faire la confession. Ce n'est pas possible, mais on va trouver un moyen de s'adapter. Et espérons-le, on s'adaptera très très bien. Avant de commencer cette veillée basée sur la miséricorde, et nous on essaiera de développer tout ce qui tourne, tout ce qui à notre sens tourne autour de cette miséricorde, on va vraiment demander à l'Esprit-Saint de venir nous disposer, de venir vraiment traverser les écrans, de traverser tout, parce qu'il n'est vraiment pas évident de vivre des veillées à travers une télévision, une tablette ou un téléphone. Donc vraiment, Seigneur Esprit-Saint, viens bouleverser, viens changer tout ce qui est toute l'atmosphère, viens nous faire être en communion vraiment avec chacune des personnes qui vont regarder cette vidéo, en replay ou en direct. Bref, viens vraiment nous inspirer, nous qui sommes ici dans cette église de Saint-Médard, et viens vraiment nous mettre comme les anges dans le ciel qui vénèrent Dieu. Viens vraiment faire monter en nous nos péchés, mais pas pour qu'ils nous renissent, non, mais pour qu'ils puissent être présentés à Dieu. Viens nous faire chanter comme les anges, viens nous disposer en la présence de Dieu, viens nous faire accueillir Dieu en cet instant. Nous te le demandons, Seigneur Esprit-Saint, nous t'en prions. Amen. Nous allons prendre le premier chant, qui est un chant à l'Esprit. Restaurant dans le feu, l'espérance.
pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Si on fait par miséricorde, si nous ne faisons pas miséricorde à notre prochain, Dieu ne pourra pas nous faire miséricorde. Et si nous faisons du bien aux autres, il nous fera du bien aussi. Il faut utiliser la loi du jugement. Il ne faut pas utiliser la loi du jugement, pardon, mais il faudrait la remplacer par la loi de la grâce. Si autour de nous, nous sommes grâce et amour, nous partageons du bien, nous faisons du bien, et le Seigneur nous le rendra aussi. Et il faut aussi noter que c'est vraiment ce que nous choisissons de faire que le Seigneur va utiliser contre nous. Aussi, nous devons pardonner nos frères parce que nous ne pouvons pas marcher avec un poids sur le cœur. Quand nous en voulons aux autres, quand nous sommes tristes ou en colère envers les autres, cela nous empêche d'être libres. Et le fait de pardonner nous rend libres aussi personnellement et rend notre cœur, notre âme plus libre. Et l'esprit ne peut pas vivre entre deux mondes. Pas aimer Jésus et ne pas pardonner. Les deux ne vont pas ensemble parce que il ne suffit pas de dire que je ne l'aime pas il ne suffit pas de dire je ne l'aime pas ou c'est juste que voilà, je ne peux pas parler à cette personne ou je ne peux pas faire certaines choses avec cette personne que ça suffit. Il faut vraiment aimer la personne entièrement. En fait, dans la maison de Dieu, il n'existe pas la moitié. On ne peut pas faire les choses à moitié, pardon. Et c'est soit nous aimons notre prochain, soit nous ne l'aimons pas. Et cela aura un impact dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Il faut avoir un cœur qui porte des rancunes et lourd aussi. Il pense tout le temps à ses persécuteurs, mais au final, il devient son propre persécuteur. Si nous souhaitons vivre paisiblement, renonçons aux rancœurs au nom de Jésus. Et le fait de pardonner aussi, ça va nous rapprocher encore plus de notre Seigneur. Je l'ai rajouté aussi dans Jean 1, verset 4. Dans Jean 1, chapitre 4, verset 20, le Seigneur dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà, la haine engendre la colère et plein d'autres sentiments qui vont suivre avec. Et le Seigneur ne peut pas nous accepter dans sa maison si nous ne pardonnons pas sincèrement. Et bien évidemment, c'est Dieu sait quand on pardonne et quand on ne pardonne pas. Et la puissance de Dieu aussi, on peut faire appel à elle pour qu'il nous aide à pardonner, parce que ce n'est pas trop facile. Et pour conclure, moi je vais dire, le Seigneur veut que nous soyons bienveillants les uns envers les autres. C'est très important et pour cela nous devons être capables d'accepter nos qualités, mais aussi nos défauts. Cela par amour, lorsque nous aimons Dieu, il n'y a pas de place pour la haine, la rancune, la jalousie, la guerre, mais pour l'unité. Nous devons être unis car le Seigneur est amour. Il ne s'agit pas de détester l'autre, mais de l'aimer. Prions pour une guérison complète si nous avons détesté, jalousé, envié par tous les sentiments négatifs que nous avons accumulés envers notre frère. Pardonnons à notre prochain et disons merci au Seigneur car il nous a pardonné par amour. Merci. Notre Père,
c'est à lui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. On est toujours en train d'essayer de développer pourquoi pardonner. Et en fait, on a été surpris par quelque chose qu'on dit toujours dans le Notre Père. On dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Une fois, j'avais entendu une homélie et le prêtre disait en riant, est-ce que cela veut dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas? Et il le disait en rigolant et nous tous, on était en train de se poser la question. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le dit, est-ce qu'on doit se poser la question, avons-nous pardonné? Avons-nous pardonné à tous? On était tous un peu en train de rire jaune pour vous le dire, parce qu'on se disait bien, effectivement, je n'ai pas pardonné à tout le monde. Donc ça veut dire que Dieu ne me pardonne pas? Un début de réponse pourrait dire non. Je pense vraiment, nous pensons vraiment que Dieu est miséricorde. On va même aborder un des chants qui parlera de cette miséricorde de Dieu. Dieu est miséricorde. Il est miséricorde. Il doit tout le temps chercher des moyens de nous attirer à lui. Mais Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. S'il a mis dans son Notre Père cette parole, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, c'est que nous devons aussi essayer de pardonner comme Dieu pardonne. C'est grand, hein? C'est très fort, pardonner comme Dieu pardonne. Et là, on se rappelle de cette maman qui n'a pas été assez maternelle, ce papa qui nous a battus, qui nous a attouchés peut-être, cet oncle qui n'a pas été un oncle, mais qui nous a appris peut-être un peu trop vite ce qu'on n'aurait pas dû apprendre. On se rappelle de ce collègue, ah, je pense à ce collègue, j'en ai un comme ça, qui est difficile. On se rappelle de cet ami qui est vraiment exceptionnel et qui nous a fait très mal. On se rappelle de plein de personnes qui auraient pu nous faire du mal. Et là, on se dit, Dieu a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Alors nous devons essayer de pardonner. Essayer de pardonner. Ce n'est pas facile, ce n'est effectivement pas facile, et je pense même que ce n'est pas humain. Demandons donc à Dieu sa force. S'il l'a dit dans le Notre Père, c'est que c'est vrai. Dieu ne ment pas. Donc nous avons en nous la possibilité, au moins humainement, charnellement, de pardonner. Demandons à Dieu la force surnaturelle de pardonner. Et nous allons y arriver, au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Bonjour à tous. Alors, nous allons maintenant prendre un petit chemin de méditation avec notre maman Marie et plus particulièrement son chapelet des sept douleurs. Les sept douleurs de Marie, je vais vous les donner tout de suite. Alors, ces sept douleurs de la Sainte Vierge, nous allons les méditer un peu pour mieux vivre nos souffrances et mieux accorder notre pardon. L'Église catholique a instauré un chapelet qui ne remplace pas le rosaire, bien sûr, mais qui se concentre sur sept douleurs que Marie a traversées, des douleurs humaines et des douleurs intenses. Alors tout d'abord, on a Marie qui reçoit la prophétie de Siméon dans la foi. Ensuite, Marie qui fuit l'Égypte avec Jésus et Joseph. Marie qui cherche Jésus égaré à Jérusalem. Marie qui rencontre Jésus sur le chemin du calvaire qui porte sa croix. Marie qui se tient debout auprès de la croix. Marie qui reçoit sur ses genoux Jésus, détaché de la croix. Et enfin, sa dernière souffrance, Marie qui confie au tombeau le corps de Jésus dans l'attente de la résurrection. Alors voyons un peu ces sept douleurs une par une. Première douleur, la prophétie de Siméon. Alors à mesure que Jésus croissait en âge, à mesure qu'approchait le temps marqué par la passion de son fils, elle sentait en son cœur de mère plus cruellement déchiré par le glaive, prédit par Siméon dans le temple. Si vous voulez, la prophétie de Siméon, vous pouvez la retrouver dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 34 à 35. Mais si donc Jésus, notre roi, et sa très sainte mère n'ont pas refusé par amour pour nous d'endurer durant toute leur vie une peine si amère, nous pouvons puiser notre force dans leurs épreuves pour mieux appréhender les nôtres. Qui mieux que Jésus et sa mère pour nous montrer l'exemple? Deuxième douleur, la fuite en Égypte. Alors là, il faut savoir que c'était un temps hivernal. C'était l'hiver, il a fallu supporter la neige, la pluie, le vent. Il fallait passer par des chemins raides, des chemins boueux. Et Marie, qui était une vierge délicate, était nullement habituée à de pareilles fatigues. La famille n'avait personne pour la servir, mais Marie gardait malgré tout confiance. Alors comme Marie, gardons confiance dans l'épreuve et embrassons courageusement nos croix, car finalement, on ne peut pas vivre dans ce monde sans souffrir, alors autant souffrir avec confiance. Troisième douleur, la perte de Jésus dans le temple. Certains assurent que cette douleur est la plus grande, parce que dans les autres douleurs, Marie avait Jésus avec elle, tandis qu'ici, elle souffre loin de Jésus, sans même savoir où il est, elle est dans l'angoisse. Ces trois jours furent pour Marie, très long. Ils lui parurent trois siècles. Alors, c'était des jours de douleur pure, des jours sans consolation possible, jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Cette douleur nous fait revivre nos heures les plus noires, celles où nous en venons à discuter de la présence de Jésus dans nos vies. Où est-il? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi laisse-t-il passer une pareille souffrance? Mais, nous le savons bien, après trois jours de recherche, Marie a enfin retrouvé son petit enfant. Ne serait-ce pas là une invitation à toujours le chercher dans nos vies et à espérer sa présence, même quand il semble absent? Jésus n'est jamais très loin de nous. À nous de le chercher. Quatrième douleur, la rencontre de Jésus allant à la mort, sur le calvaire. Marie était sa mère et sa servante. Jésus, lui, il était son fils
et son Dieu. Ce mélange de qualités si diverses produisait dans le cœur de Marie un incendie d'amour qui est composé de milliers d'incendies. Mais au temps de la Passion, cet incendie d'amour se changea en un océan de douleur. Nous pouvons prier pour les membres de nos familles qui ont pris un chemin différent du nôtre. Aussi, pour toutes ces mères et tous ces pères qui voient leur enfant partir, prendre peut-être des chemins différents, peut-être de mauvais chemins, et surtout les confier à la Vierge qui a vécu cette douleur, non sans confiance en la résurrection, mais elle a vécu cette douleur, elle a vécu la passion de son Fils, elle qui était purement humaine et purement, elle a vu de la souffrance en elle, et pourtant elle a vécu cette douleur. Cinquième douleur, la mort de Jésus. Toutes les mères craignent d'être présentes à l'agonie de leurs enfants. Et si l'une d'elles est contrainte de demeurer près de son fils qui meurt, elle s'efforce de lui donner tous les soulagements possibles. Elle lui arrange son lit pour lui donner une position plus confortable. Elle lui présente des rafraîchissements. Toutes ces petites choses qui font qu'elle est présente auprès de lui. Ainsi, cette pauvre mère, elle console sa propre douleur. Mais Marie, la mère la plus affligée de toutes les mères, doit être présente à l'agonie de son fils et il ne lui est pas permis de lui donner le moindre soulagement. Son courage et sa résilience sont un exemple pour tous ceux qui se sentent impuissants face à une épreuve. Sixième douleur, Jésus qui est percé d'une lance et descendu de la croix sur les genoux de Marie. La lance, dit Saint Bernard, en entrant dans le cœur de Jésus, traversa l'âme de Marie, car cette âme bénie ne pouvait se détacher du cœur de Jésus. Auparavant, Marie avait son fils pour compatir à ses souffrances. Maintenant, elle ne l'a plus. Les disciples détachèrent d'abord les mains, puis les pieds. Ensuite, l'un soutenant le corps d'en haut, l'autre d'en bas, tous les deux descendent de la croix. La mère de douleur se dresse sur la pointe des pieds et elle étend les bras pour recevoir son fils bien-aimé. Elle l'embrasse et s'assied au pied de la croix. Elle considère la bouche entrouverte de Jésus et ses yeux éteints. Elle parcourt du regard, l'un après l'autre, ses membres déchirés et ses os mis à découvert. Elle ôte la couronne et voit les blessures faites par les épines dans sa tête sacrée. Finissons maintenant avec la septième douleur, qui est la conclusion des sept douleurs de Marie. La septième douleur, Marie confie au tombeau le corps de Jésus dans l'attente de la résurrection. Là, c'est la douleur du deuil, la douleur des ténèbres qui désormais recouvre la terre puisque Dieu en a été chassé. Là encore, la parole de Dieu est vivante. Du livre des psaumes, psaume 90, « Reviens, Yahvé, reviens Seigneur, jusqu'à quand ? Prends en pitié tes serviteurs. » Mais là, parlons plutôt de l'épilogue, la lumière des nations et la mission du Christ. Si nous méditons la douleur, c'est parce qu'elle est le lieu de la rédemption. La mort de Jésus est suivie par sa résurrection et sa seigneurie sur l'univers. Ne l'oublions pas. Jésus est alors annoncé et reçu dans le monde entier. La prophétie de Siméon annonçait non seulement que Jésus serait un signe en but à la contradiction, mais qu'il serait aussi la lumière des nations. Il en sera de même pour Paul et Barnabé, contredits dans la synagogue d'Antioche. Leur destin accompagne celui du Christ. Le rejet va les conduire à la décision de se tourner vers les nations. Selon les mots de saint Paul, cette décision est même un ordre divin.
Je t'ai établi, lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Extrait des Actes des Apôtres. Alors, mes amis, prenons exemple sur Marie, elle qui a vraiment été un parfait exemple de courage, de résilience et de foi et de prière dans l'épreuve. Et n'oublions pas surtout de pardonner nos ennemis, parce que c'est en pardonnant que nous serons pardonnés. Amen. Marie. J'ai dit, ben non, c'est pas possible. Moi, je m'appelle Marie. Je suis pas la maman de Jésus. Donc, comment s'appelle la maman de Jésus? Ils ont dit, ben Marie. Je dis, mais non. Du coup, je les embêtais. J'ai pas arrêté. Et en fait, je pensais à ça à l'instant et je me rends compte qu'en fait, on est tous des Maries. Parce que si on veut dire que Jésus est Dieu, il est bien trop puissant, il est très, très puissant et il peut pardonner tout le monde, et que moi, je ne suis qu'un pauvre être humain, je ne peux pas pardonner, ben Marie est un pauvre être humain, elle aussi. Et elle a pu pardonner à toutes les personnes qui faisaient du mal à son enfant, vu qu'aujourd'hui elle prie pour nous. Vu qu'aujourd'hui elle a pardonné à Saint-Pierre qui a renié son fils. Elle aurait pu rejeter Saint-Pierre, mais elle a accepté, elle l'a accueilli dans ses bras de mère. Nous aussi nous pouvons pardonner. Marie était un pauvre être humain et elle a pardonné. Comment trouver la force de pardonner? Déjà, il ne faut pas oublier trois choses. Il y a trois personnes en soi, trois personnes entre guillemets à pardonner. Se pardonner soi-même, pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Et on peut aussi, je sais que ça va faire un peu bizarre, mais on peut aussi, ça va être dur à dire hein, et dur à accueillir. Donc préparez-vous, on peut pardonner Dieu. C'est bizarre de le dire, je sais. Mais il arrive qu'on a tellement de combats, tellement de difficultés, tellement de choses, de montagnes à traverser, qu'il est difficile de se dire, mais je crois en Dieu, où es-tu? Quand l'épreuve est passée, ou même pendant l'épreuve, on peut s'arrêter et dire, j'ai confiance en toi, je te pardonne pour les épreuves que tu as permises. N'oublions pas, on peut pardonner Dieu, on peut se pardonner et pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Thank you.
Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Notre Dieu a traversé bien des épreuves. Cette période de carême est le moment propice pour se rappeler du chemin de croix dont Karl nous a un peu parlé dans les douleurs de Marie. Dans ce chemin de croix, il y a quelque chose qui est marquant, qui est étonnant. Alors, Jésus, il est là, il se balade avec sa croix. Et le monsieur, il souffre, on le bat, on l'insulte, on l'humilie. Ça me fait, bon, c'est pas bien de le dire, mais ça me surprend à chaque fois. On le bat, on l'humilie, on l'insulte, on le crache dessus. Il y a des dames qui s'approchent de lui pour le soutenir, qui pleurent sur ses douleurs, qui pleurent sur toute l'humiliation qu'on lui fait. Et il dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. Bon, bref. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui est très surprenant. Donc, Jésus, il porte sa croix, on le bat, on l'humilie, on l'insulte. Et on le crucifie sur la croix. Au lieu de nous détester, au lieu de nous insulter, au lieu de nous maudire, au lieu de claquer les doigts pour qu'on disparaisse tous, il dit, pardonne leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là encore, on va se dire, oui, c'est Dieu, il est tout puissant, il sait faire, il sait pardonner. Mais c'est trop facile de dire ça, c'est bien trop facile. Parce qu'il est certes Dieu, il est certes tout puissant, mais il a un corps d'humain, il a une chair et des os. La preuve étant, son sang est sorti. Donc il a souffert des douleurs humaines, charnelles. Et malgré ça, il a demandé à Dieu de nous pardonner. Trouvons en Jésus, en cet instant, la force de pardonner, de nous pardonner, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de demander pardon à Dieu. Amen. Maintenant, on va voir une petite vidéo d'un prêtre qui nous donne quelques astuces de pardon et aussi qui nous donne quelques erreurs à ne pas commettre pour le pardon. C'est parti. Avez-vous remarqué l'humour de Dieu dans le Notre Père? Chaque jour, nous lui demandons de nous pardonner comme nous-mêmes pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu doit nous prendre comme modèle du pardon, comme si ce n'était pas lui qui pardonne en premier. Quelle humilité et quel amour dans l'humour de Dieu! Mais l'humour est peut-être un des secrets pour progresser dans le pardon. Un soir, à la prière familiale, un enfant demandait « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tant fessés. » Sur le pardon, nous faisons facilement trois erreurs. D'abord, nous pensons que pardonner, c'est une faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, un déni de justice. Or, c'est tout le contraire. Les anciens ne connaissaient pas le pardon. Les philosophes, dans le meilleur des cas, recommandaient au prince la clémence. La clémence consiste à ne pas châtier le coupable, mais qui continue à être reconnu comme tel. La clémence n'efface pas la faute. Jésus, qui nous demande de pardonner à nos ennemis et qui est mort pour nous pardonner, a introduit dans notre humanité quelque chose de radicalement nouveau. Jésus à ceux qui nous ont blessés, mais il nous demande de ne pas réduire l'autre à la faute qu'il a commise. Il nous demande de pardonner, le mot le dit très bien, c'est le don par-delà le possible. Au fond, c'est la loi de l'esprit dont parle saint Paul. Le pardon, c'est ni plus ni moins que l'Esprit-Saint en personne. Et saint Benoît dit très bien dans sa règle que dans un conflit, dans une communauté ou ailleurs, le plus fort, c'est justement celui qui cède, celui qui pardonne. Deuxième erreur que nous faisons sur le pardon, nous pensons qu'il faut qu'il y ait obligatoirement réciprocité. En ce sens, nous confondons pardon
et réconciliation. C'est mieux évidemment quand on aboutit à la réconciliation, mais il peut y avoir pardon sans forcément qu'il y ait de réciprocité. Vous vous souvenez que Saint Jean-Paul II, en l'an 2000, pour le jubilé de l'incarnation, a demandé pardon 29 fois pour les compromissions des catholiques dans certaines violences, par exemple les violences faites aux juifs, les croisades, l'inquisition, l'esclavage et tant d'autres choses. Au cours d'un trajet en avion pour un énième voyage apostolique pendant cette année de 2000, un journaliste dans l'avion lui a dit « Alors Saint-Père, vous allez encore demander pardon ?» Et Jean-Paul II a dit « Oui ». Et il a ajouté quelque chose comme « J'aimerais bien que ça fasse école, j'aimerais bien que d'autres le fassent aussi. » Mais ce n'est pas forcé. C'est le cas pour Jésus. Il a offert son pardon, mais il n'y a pas eu de réponse, au moins immédiate. Ce ne sera qu'au ciel que nous verrons le résultat, mais pour le moment, vous pouvez offrir votre pardon et vous trouver devant un bof. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Voilà, c'est le risque. On a entendu sur Radio Vatican le beau témoignage d'une maman, je crois de 15 enfants, si je ne me trompe pas, épouse d'un des 343 pompiers qui ont donné leur vie dans l'écroulement des tours jumelles le 11 septembre 2001 à New York. Et cette maman disait, en reprenant Job et saint Paul, « Le Seigneur me l'avait donné, le Seigneur me l'a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. » Et quand je pense à ce qu'ont fait les terroristes, je dis « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. » L'amour, le pardon, le surdon est toujours inconditionnel. Et puis, troisième erreur, et l'exemple que je viens donner pourrait fortifier cette erreur, c'est que nous pensons que le pardon est réservé à des cas exceptionnels, une infidélité ou bien justement un acte terroriste, etc. Or non, le pardon, nous devons en faire notre pain quotidien. Pardonner à l'épouse qui n'en finit pas de se plaindre sur un sujet dont on a déjà longuement parlé, pardonner à l'entreprise qui a licencié, pardonner au juge qui a voulu faire un exemple et qui a alourdi la peine, pardonner à l'adolescent qui n'a pas donné de nouvelles depuis 15 mois, mais également pardonner la cigarette, pardonner les chaussettes sales qui traînent alors qu'on a dit et redit qu'il serait bien de les déposer dans la corbeille à linge, pardonner la lampe de la cave qui n'a pas été éteinte, pardonner le frigo qui n'a pas été rangé comme il fallait. Et justement, c'est dans la famille qu'on s'y exerce et c'est dans la prière familiale du soir, quand elle peut avoir lieu, que peut se donner le pardon. Par exemple, papa, au cours du repas, a explosé de colère sur son petit Bruno qui se grattait le nez. Mais en fait, ce n'est pas contre Bruno qu'il en avait, c'est contre son patron. Mais il n'avait rien pu lui dire et c'est le petit Bruno qui a pris le trop-plein d'agacement et d'énervement. C'est ce qu'on appelle un tir indirect. Ou bien vous avez maman qui dit à sa petite fille, haute comme trois pommes, « Si je suis énervé, c'est de ta faute !» Eh bien, à la prière du soir, il est facile de dire, sans perdre son autorité maternelle ou paternelle, « Seigneur, je te demande pardon, je n'aurais pas dû exploser ainsi. » Au fond, pardonner, c'est mettre le feu à la terre, c'est transmettre ce feu de l'Esprit-Saint que Jésus est venu allumer. C'est accueillir cette part donnée de la vie divine. Alors, vous avez vu les trois erreurs, les erreurs à ne pas commettre, les erreurs sur le pardon, les avez vues. Le plus marquant étant ne pas attendre que l'autre nous pardonne pour pardonner. Ne pas attendre que l'autre nous pardonne pour pardonner. À présent, nous allons rentrer dans un moment de démarche. Vous savez, à Ephata, on fait toujours une démarche. Et là, même si nous ne sommes pas là, ce n'est pas grave, on va en pallier. On va pallier à cela.
La démarche est la suivante. Vous allez vous lever, vous allez chercher deux feuilles. Dans la première, vous allez écrire le nom de toutes les personnes à qui vous souhaitez offrir le pardon. Toutes les personnes qui viendront, qui vont monter dans votre esprit. Tous les noms de ces personnes qui vous ont fait du mal. Même cette personne que vous pensez avoir pardonné, mais que vous n'avez pas pardonné, effectivement. Marquez leur nom. Ça, c'est la première feuille. La deuxième feuille, c'est le nom de... Non pas le nom, mais c'est toutes les choses que nous avons faites qui ont pu blesser le cœur de Dieu. Le pardon qu'on n'a pas accordé. Le mensonge qu'on a dit qui était nécessaire ou qui n'était pas nécessaire, c'est un péché. Tous les péchés que nous avons commis, on le marque sur la seconde feuille. Et on va prendre ce temps, un petit temps de silence pour vous laisser écrire ces deux feuilles. Donc la première feuille, je vais essayer de parler plus fort. La première feuille, c'est pour tous les noms des personnes, c'est les noms des personnes à qui nous devrions offrir notre pardon. Et la seconde feuille, c'est tous les péchés que nous avons réalisés, que nous avons faits. On va prendre ces deux feuilles et on va contacter le Père qui va être disponible, Père Thomas ou Père Olivier, pour un moment de confession. Il serait vraiment, ce serait bête, pardonnez-moi du terme, de rater cette occasion de réconciliation. Donc on part avec les deux feuilles et on essaie de rencontrer le nom du Père, on essaie de rencontrer le Père Thomas, le Père Olivier ou le prêtre qui est à côté de nous pour aller se confesser. On va mettre justement en bas de la conversation, normalement juste là, les contacts des prêtres pour pouvoir se confesser. Et si vous êtes loin de Clichy, rapprochez-vous du prêtre de votre église. Allez vous confesser, c'est une réelle thérapie. C'est parti.
Je suis là pour vous parler de pourquoi se réconcilier avec Dieu, de l'importance de se réconcilier avec Dieu. Il y a mes sœurs Marie, Kéliane, Cal qui sont passées, qui vraiment vous ont dit plein de choses. J'espère que ces paroles-là travailleront vraiment dans votre cœur. Moi, j'ai à cœur de plutôt vous donner un mini témoignage parce que Marie l'a déjà répété, il faut se réconcilier avec Dieu parce qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique, qui était sans péché, sans tâche. Et Jésus a subi beaucoup de choses, mais malgré tout ce qu'il a subi de nous les hommes, il nous a pardonné, il nous a donné sa grâce, et même là-haut auprès de son Père, il continue de nous bénir malgré tous les péchés que nous faisons. Franchement, je ne sais pas quel homme pourrait supporter la croix, la douleur des clous. Imaginez, qui pourrait supporter qu'on lui crache sur le visage ou qu'on lui verse du vinaigre dans sa plaie? Franchement, je m'assois, je réfléchis à tout ça et je dis qu'il faut pardonner. Personnellement, je suis quelqu'un qui pardonne difficilement. Ça, je vous l'avoue. Tout le monde me dit, Stéphanie, t'es gentille, t'es disponible, t'es bien. Mais je vous avoue que pardonner, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner mon témoignage personnel. Je suis arrivée en France en 2012 et j'ai connu 3 ans de désert, en fait. 3 ans où j'étais dans une situation vraiment très compliquée. Pourtant, on m'avait dit que j'allais venir en France et que toutes les portes me seraient ouvertes et que j'allais, comme à Canaan, vivre de miel, avoir le lait qui allait couler, être vraiment dans une terre qui me serait propice. Mais vraiment, j'ai vécu la sécheresse, je traversais le désert et j'en voulais à tout le monde. Franchement, j'en voulais à ma famille, j'en voulais à moi. Et comme Marie l'a dit, c'est surprenant, j'en voulais même à Dieu, en fait. Et j'essayais chaque fois de résoudre les problèmes de moi-même. Donc pendant 3 années, j'ai essayé de me sortir de mes difficultés de moi-même. Pendant ces 3 années, je venais à la messe, je participais à Ephata, bien sûr. J'étais très active dans ma communauté, mais j'avais ce poids-là dans mon cœur, en fait. Pendant 3 années, c'était un vrai combat parce que j'avais toute cette rancœur. Je me disais qu'on m'avait menti, je me disais que même que Dieu avait menti à certaines personnes qui m'avaient parlé et tout. Et donc, un matin, même pas un matin, un soir, on va laisser un peu le matin, un soir, j'ai ma meilleure amie qui m'a appelée, voilà, qui savait un peu tout ce que je traversais, et elle m'a dit, Stéphanie, et si tu lâchais prise, et si tu arrêtais de compter sur les hommes, et si tu arrêtais de te dire que les autres, ils doivent faire et que tu te prenais en main, en fait. Mais comment se prendre en main dans un pays dans lequel où j'ai même pas le droit de travailler, où je n'ai même pas de revenus, où j'ai pas de toit à part le toit de mon père? Comment me prendre en main? Et bon, je m'assois. Ce qui était bien, c'est que pendant toute cette période de difficulté, j'avais une dame qui ne m'a jamais lâchée et que j'aime bien, la Vierge Marie. Je trouvais ma joie, ma paix en faisant le rosaire en sa présence. Je venais à Saint-Vincent-de-Paul là et je prenais mon chapelet. Je passais du temps avec elle. En fait, ça me réconfortait parce que j'ai pas connu d'amour maternel, j'ai pas été avec ma mère depuis mon enfance. Donc la Vierge Marie, elle a vraiment une très grande place pour moi. Donc quand j'ai des difficultés, j'ai tendance à aller me blottir contre elle, aller rester avec elle pour trouver mon réconfort, en fait. Donc mes seuls moments de paix pendant ces 3 ans, c'était quand je venais auprès de la Vierge Marie. Et une fois pendant ma prière auprès d'elle, elle m'a guidée, elle m'a éclairée, en fait. Je me suis surprise à lui dire, « Maman Marie, Jésus n'est pas ton seul enfant. Moi aussi, je suis ton enfant. Quand pourrais-je avoir cette paix? Quand pourrais-je être tranquille ?» Et là, j'ai reçu une petite réponse.
décharge ton cœur, en fait. Et je vous dis, pardonner, c'est une décision personnelle. On aura beau vous enseigner, beau vous donner des formules, beau vous donner des psaumes et des prières, mais pardonner, ça part vraiment de soi. Il faut prendre conscience que le pardon, il libère, que le pardon, il fait rentrer la lumière de Dieu en nous, en fait. Et donc là, j'ai pris la décision personnelle de pardonner. Et j'avais beaucoup à pardonner. J'avais à pardonner et à ma famille, et à certains amis, à pardonner à moi-même, parce que je me retrouvais à dire, mais Stéphanie, tu as été bête de croire et de venir ici, en fait. Tu étais chez toi en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Tu aurais pu avoir un bel avenir. Je regardais les photos de mes amis sur Facebook qui étaient tout rayonnants, qui avaient du travail, qui montraient. Et je me disais, mais pourquoi tu es venu te mettre dans ça? Pourquoi tu as cru en cette parole que Dieu avait mis dans les gens et t'es venu ici? Tu as perdu 3 ans de ta vie. Après, quand j'ai pris la décision de pardonner, franchement, j'avais plus ces réflexions-là. Je me suis dit, Stéphanie, tu as écouté la voix, tu as suivi. Et j'ai pris aussi une décision très, très, très importante, c'était de pardonner à Dieu. Donc, ma démarche a commencé déjà à pardonner à mes semblables, en fait, qui m'avaient fait du mal. Et aussi à reconnaître que moi, je leur avais aussi fait du mal. Parce que c'est bien beau de dire de pardonner aux autres, mais il faut reconnaître aussi qu'on a blessé les autres, en fait. Donc, pardonner aux autres revient à pardonner à son prochain, à demander aussi pardon à son prochain. C'est vrai que c'est très dur. Dire pardon et dire je t'aime, c'est vraiment très, très dur. Bon, ceux qui le pensent seulement des bouts des lèvres, ils le disent aisément. Mais quand ça vient du fond du cœur, franchement, c'est lourd. Voilà. Et donc, j'ai pris la décision de pardonner à ma famille, de pardonner à certains amis qui, dans mes difficultés, m'avaient tourné le dos, en fait. Et quand j'ai fait cette étape-là, je me suis un peu éloignée parce qu'on se dit souvent que quand on pardonne à notre ennemi ou on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal, il faut forcément rester à côté de cette personne-là et encore de subir, en fait. J'ai pardonné, mais je ne suis pas restée dans ce qui me faisait mal, en fait. J'ai pardonné et j'ai pris du recul, en fait. J'ai pris du recul et après, j'ai fait un travail sur moi-même de me pardonner parce que souvent, quand on est fâché, quand soi-même, on prononce de mauvaises paroles sur soi. Je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, je ne peux arriver à rien, tel travail n'est pas pour moi, je ne pourrai pas me marier parce que je ne suis pas bien. En fait, on dit tellement de mauvaises paroles sur soi quand on est en colère ou quand on a ce sentiment-là, que ça nous ternit, en fait. Donc, il faut se nettoyer soi-même spirituellement. Donc, après avoir pardonné à mes amis et ma famille, je me suis pardonnée à moi-même et j'ai commencé à me bénir, en fait. À me dire, Stéphanie, tu es bien, Stéphanie, tu vas y arriver. C'est pas impossible. Il y a des gens qui sont venus, qui ont traversé des choses plus fortes que celles, des situations plus compliquées que celles que tu traverses, mais qui sont arrivées. Il faut commencer à prendre des exemples de réussite. Il faut commencer à être positif dans la tête. Donc ça, avec le pardon, j'ai commencé à me nettoyer personnellement. Et après m'être nettoyée, maintenant le face-to-face avec mon Dieu. C'était la meilleure partie parce que je dis toujours que le ciel, un jour quand je vais arriver, Jésus me dit, va à genoux parce que tu m'as trop fatiguée. Donc je suis venue un jour ici, toujours à Saint-Vincent-de-Paul. Tabernacle, j'avais le Saint-Sacrement et je suis venue, je me suis mise à genoux devant lui et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Moi, je ne sais pas d'où je viens, j'étais nulle part, tu m'as créé, tu m'as mis dans une famille. Mais c'est toi qui m'aimes plus que tout ce monde-là. Tu as dit aux gens que j'allais venir en France, que j'allais être bien, que j'allais réussir, que j'allais être ceci, cela. Tu as fait plein de promesses et même à moi, tu as montré des signes. Je suis en France, mais depuis que je suis là, rien ne bouge dans ma vie. C'est comme si tes paroles étaient fausses. Mais moi, je crois en toi. Si vraiment tu as dit ça, et si vraiment c'est ce que tu m'as destiné, Seigneur, que mes difficultés s'arrêtent. Et si ce n'est pas ce que tu as destiné pour moi, que je retourne dans mon pays tranquillement. Mais moi, Seigneur, je suis fatiguée de souffrir.
je viens te remettre ma vie en tes mains. Si je réussis, c'est toi. Si j'échoue, c'est toi. Seigneur, je suis ton enfant. Fais de moi ce que tu veux. Voilà, telle était ma prière. Je me suis abandonnée, en fait. Et je ressentais aussi la nécessité de me confesser, en fait. Parce que j'avais beaucoup. Et j'ai fait ma confession. J'ai demandé pardon, sincèrement, aux hommes. Pardon pour ce que moi, j'ai eu à dire sur moi, à penser. Et aussi pardon à Dieu. Je vous assure qu'après cette confession-là, c'est comme si j'avais jamais eu de difficulté. En un mois, jour pour jour, ma situation était réglée. J'y croyais même pas. Toutes les portes qui m'étaient fermées, les mêmes portes là, après cette démarche, je suis venue, j'ai même pas frappé, ils ont ouvert. Tout le monde me disait, eh, venez, venez. Et tout le monde était motivé à me sortir de ma situation. C'est incroyable. J'étais avec une de mes amies, je lui disais, mais à cause de te regarde, on était passé ici il y a 3 ans, on nous dit non, aujourd'hui on nous dit oui. En fait, c'était comme si je rayonnais de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, partout où je passais. Et même on me disait, mais envoie tes dossiers, envoie. Je suis venue encore au Saint-Sacrement, je dis, Seigneur, je vais donner mon dossier, le voilà, bénis-le, que tous ceux qui le regardent, qu'ils voient ta lumière. Je vous assure qu'en un mois, ma vie, elle avait changé. J'étais plus la personne terne à l'intérieur qu'on voyait, parce que quand je venais aux prières et tout, je présentais beaucoup d'énergie, mais dans mon cœur, le manque de pardon avait vraiment tout cramé. Et donc, après cette démarche-là, franchement, je rayonnais et je vous assure que jusqu'à présent, c'est vraiment pas pareil. Donc, je vous invite franchement à faire aussi cette démarche-là de votre côté, à vous asseoir, à prendre du temps. La Vierge Marie, elle pourra beaucoup vous aider aussi dans cette démarche, comme elle m'a aidée, à vraiment réfléchir, à vraiment penser et aussi à vous dire que tout ce que vous traversez, Dieu il attend seulement que vous l'invitiez et que vous lui remettez tout ça en fait. Ce n'est pas la peine de vous dire que Dieu ne m'aime pas, parce que si Dieu ne vous aimait pas, jamais il allait donner son fils, il allait envoyer son fils et jamais son fils allait se donner à la croix pour vous en fait. Donc regardez le sacrifice que Jésus a fait, ce n'est pas un sacrifice, hein. C'est la plus grande preuve d'amour, parce que je ne suis pas sûre que quelqu'un ici ira se clouer pour moi en fait, à part Jésus. Donc regardez cet amour-là et je vous invite vraiment à laver votre cœur. C'est le temps propice, on est dans le temps du carême. Confessez-vous et aussi pardonnez. C'est vraiment important, pardonnez. Merci. Amen. Amen.
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Béni sois-tu, toi qui soulèves nos croix. Il a soulevé la sienne. Apparemment, elle n'était pas assez lourde parce qu'il a soulevé la nôtre aussi. Béni sois-tu, béni sois-tu. Seigneur, nous nous approchons de la fin de cette veillée. Nous voulons te demander la grâce immense de venir nous visiter ce soir. De venir, même lorsque la veillée sera terminée, passer dans nos cœurs. De venir habiter dans nos cœurs. De venir enlever tout l'ivraie et mettre dans cette terre la bonne, comment on dit, la moutarde, la bonne graine. De venir vraiment rendre nos cœurs purs. Et de nous aider, de nous donner un bon coup de pied pour qu'on se lève et qu'on aille se confesser. Parce que les grâces de la confession sont innombrables. Et toi qui es le Dieu de miséricorde, rappelle à mon ami qui regarde cette vidéo en cet instant qu'il n'y a pas de péché que tu ne puisses pardonner. Il n'y en a pas. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci à toi qui nous a regardés. Soyons tous bénis. Amen. Maintenant, on va danser. Mais délivre-nous du mal.